Le parquet national financier dispose, on en a beaucoup débattu ces derniers jours, d'une compétence limitée et limitée à certaines infractions, parmi lesquelles figure bien sûr le détournement de fonds publics. Sauf que l'absence de cette infraction dans le dossier qui nous occupe rend le parquet national financier incompétent pour enquêter et son enquête en devient illégale.